Ça là? Ça là? Puis ça là? Ceci et ceci là? Et ceci là? C'est une artiste qui panique, ok? Une artiste qui panique. Panique, ok? Je sais même pas si ma caméra est à la bonne place, je m'en fous. Je m'en contre-fous. J'utilise mon miroir. Salut. Mais oui, je panique. Je panique, écoute. Mon père, il va partir à sa business. Faut que je mange. Gâteau! Laisse-moi le temps, là. Mon père va partir à sa business dans le tirage de cartes. La clairvoyance, quelque chose. Le tarot. Mais pas le tarot, là. C'est les cartes des anges. Je suis extra contente pour lui. Je suis extra contente. Mais ça me stresse. Il m'a désigné comme celui qui s'occuperait du Facebook. Mais moi, je suis juste au secondaire 5. La fille qui est ici au juste au 5, puis je viens de commencer l'année. Ça, là, ce serait très probablement l'image que j'utiliserais. Pas complètement, c'est pas complet. Mais très probablement le dessin que je reproduirais sur ordinateur, quand ce sera fini, évidemment, c'est juste un début. C'est un 30 secondes, ça, que j'ai fait. Sur une heure. Oui, parce que c'est vraiment beau. C'est quand même pour un Facebook. Oui, je suis en. Mon gâteau est en train de se détruire. Il est en. Je suis en. Gâteau McCain. Trop bon. C'est moi qui s'occupe du Facebook. Il m'a désigné comme celui qui s'occuperait du Facebook. J'ai des études, moi. Puis il dit, faut que ça soit prêt pour la fin octobre. On est le 15. Je sais pas pour vous, là. Mais ça, c'est très proche. Non, je vais pas me saouler. C'est la dernière qui reste, anyway. Puis c'est 0,5 d'alcool. Je suis même pas sûre que je vais le boire, anyway. Mais si je viens que je finis mon Pepsi avant, puis que j'ai encore soif, c'est là. Oui, ça se peut que mon visage soit très près de la. Parce que c'est la première fois que je filme en écran extérieur. En écran. En caméra extérieure. Pour faire ça. Ah! Projet intégrateur, j'ai comme. Attends. 31. Non, 38, 39, 40, 41. 4 pages en français dans mon cahier à faire pour vendredi. J'ai. Un document en éthique sur qu'est-ce que l'humain? Comme, pour toi, selon toi, qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'être humain pour toi, comme? Tu sais, c'est un peu plus, puis t'écris un texte là-dessus. Puis là, faut, c'est quoi, là, là? Je l'ai pas, je l'ai pas. Mon gâteau! Écoute, je suis désordonnée. Histoire à la citoyenneté. Bon. L'avenir de l'humanité. Quel monde pour demain? Bon, ben moi j'ai fait ça. On va passer ça. On a vu la matrice, c'était nice. On va tasser le gâteau. Je t'aime. Oui, j'ai fait ça. Puis il me reste ça. C'est comme. Quelle nouvelle forme de responsabilité envers la vie? Qu'est-ce qu'il T'es fait toute là-bas. veut? J'ai dit qu'on fera ça demain! J'ai fait, mais Annie m'a dit que je dois dire. Annie a l'idée que je pourrais faire. Que je pourrais faire le bol. Que je pourrais faire.
là-bas, puis toi, tu pourrais faire le haut demain, puis tu le remplirais. Nice. OK, merci. Bienvenue. Vaisselle. La vaisselle, comme vider la vaisselle, c'est une de nos corvées à moi et mon petit frère. Puis, quelle nouvelle forme de responsabilité envers la vie incombe aux êtres humains du 21e siècle? Comme première question, la deuxième question, qu'est-ce que l'être humain? Comment pouvez-vous définir l'humanité de l'homme? Pour vous aider à répondre, nous vous proposons quelques points de vue de la question. Puis là, t'as des citations de personnes que je ne connais pas. Puis apparemment qui sont importantes. Je m'en fous. Puis c'est du gros comme... De la grosse réflexion de la mort. Est-ce que je filme bien? Est-ce que je filme bien? Comment faire pour savoir si je filme bien? Je suis peut-être un peu trop proche, à date. Au pire, on me voit pas. On va entendre juste ma voix avec mon headphone. Ça va être super drôle. Super le fun. Là, faut que je replace le document parce que j'ai enlevé la pépine qui les maintenait en place. Parce que je voulais le garder dans mon cartable. Mais je me suis dit, mais non, mais si j'oublie mon cartable, j'aurai pas le document. Puis je pourrais pas le continuer pour vendredi. Puis je l'ai enlevé. OK. Puis j'ai... Shit, où c'est qui est? Fait que j'ai encore... Ça s'appelle projet intégrateur. C'est aussi qu'il faut que tu fasses un projet intégrateur. Bon, je sais pas c'est quoi. Je sais que c'est un projet qu'il faut que tu fasses puis que tu expliques pourquoi t'as décidé de faire ça. Ça peut être un événement, ça peut être une production. Attends. Un essai, une production ou un événement. Un essai, c'est. C'est ça. C'est projet personnel, pis ces shit-là. Comme. First shot, c'est ça, je voulais faire. Projet intégrateur, important, continue-moi, tu sais. Production. Un exemple de production, des colliers, des bracelets, des signets. Je dis ça parce que j'ai essayé de faire ça. Puis c'est dans mes trois premiers choix. Faire une production. J'ai un essai, une production, puis un événement. L'événement. Maison hantée. J'ai décidé de m'inscrire à la maison hantée de mon école. J'étais assez contente. Puis là... Faut que je trouve des références concrètes, des références procédurales et des références professionnelles. Aux trois! Sur un projet personnel, tu peux même dire c'est quoi une référence dans les trois cas? Sur un projet personnel, référence, ma tête, concrète. C'est une idée que j'ai eue dans ma tête? Procédurale. Présente une méthode déjà existante pour réaliser ce type de projet. Montre un cahier de procédure ou un checklist que tu pourrais suivre. J'ai un bon 50% de fait. Peut-être moins. C'est pas à mon goût, OK? C'est pas à mon goût. Même que je vais complètement décliner cette idée-là. Parce que... Ça atteint même pas... Ça atteint même pas un petit peu mon idée de départ, qui était de imager le phénomène de la guerre pour la paix. Boucher de gâteau. Ça en était trois. Bon. Ça ressemble plus à une peinture qui dénonce... Qui dénonce en premier lieu la War for Peace, l'homophobie, le suicide et l'intimidation.
Oui, l'homophobie. Parce que j'ai un couple homosexuel. Il y a un couple de jeunes lesbiennes. C'est mignon. T'as l'intimidation. Puis le suicide. Puis t'as War for Peace. S'il y en a qui n'ont pas remarqué, pour le moment, même après une douzaine d'émissions, épisodes, courts vidéos. C'était mon chiolage sur les... Non, j'ai pas fini de chioler sur les... J'ai pas fini de chioler sur les devoirs. Le devoir de français, il attendra à demain. Fuck le français. Donc, non, je peux pas. Je peux pas. C'est une semaine de 4 jours. Nya! Je vais mûrir. Puis en plus, j'ai un film absolument à voir. J'ai fini. Écoute, j'avais un roman, une lecture obligatoire à faire. Il reste combien de temps? 10 minutes. J'avais une lecture obligatoire à faire, puis je l'ai fini. Il faut que je voie le film. Il faut que je voie le film pour la fin octobre, 28, genre. Je peux pas attendre au 31. Oh, puis cette fin de semaine, je peux rien faire. Parce que j'ai une fin de semaine avec un artiste professionnel. Ça va être cool. Mais ça prend tout mon temps. De 9h à 3h. Téléphone. Même que c'est le moment idéal pour terminer la vidéo. Sur un gâteau à moitié mangé. Des documents et des devoirs éparpillés. Et un couloir jamais ouvert. So, c'était ça, mon moment de panique et de chiolage du moment. Peace.